le Mardi Gras ayant pu voir, long du boulevard, trois masques et deux tout petits à l'œil noir, agitant des tambours de basque, de plus en habit vermillon, ayant vu trois joueurs de trompe exécuter leur carillon comme on sonne quand on se trompe, mortifiant ses sens dentés, Guy, dont les sentiments sont tendres, pour expier ses voluptés, a fait son mercredi descendre. Sur une chaise en bois de teck, il mangea des pommes de terre, mais qui n'étaient pas au beefsteak, dans une chambre solitaire. Puis il monta, le long du bois, un cheval, une ombre, une ellipse, mince, effarée, pâle, aux abois, et sortie de l'apocalypse. Puis, dans une exposition très intéressante, où deux nègres se promenaient sans passion, il alla voir des dessins maigres. Le soir, son esprit se peupla d'effroi. Il alla dans le monde et très longuement contempla une dame extrêmement blonde. N'offrant nulle prise à l'enfer, elle était mince et transparente. On aurait dit un fil de fer, sans nulle saillie apparente. Rentré chez lui, Guy lui devait, très sage, dont jadis nous rîmes, pur de tout ornement pervers, et même dénué de rimes. Tel, évitant même l'esprit, que toujours Alphonse Carême, Guy, dont la douceur me surprit, a bien commencé le carême.